Eh bien bonjour à tous, ça y est, on est à Bordeaux devant l'Athénée municipal, lieu où va être projeté donc le film Complètement siphonné que nous avons réalisé avec deux autres de mes camarades qui n'ont pas pu venir malheureusement. Donc le film devrait être projeté d'ici une heure, on est à peu près quatre en compétition je crois, donc on espère, on croise les doigts pour ramener un petit prix, on l'espère. Cette ville qui a su traverser les siècles, un grand lieu de l'Empire romain. Nous avons M. Bilot qui était là, au lycée, il va nous dire quel a été son rôle dans ce film et nous pourrons lui poser quelques questions. Merci. Du coup, on était trois élèves à réaliser ce projet. Donc, il y avait Arnaud et Gauthier qui étaient avec moi. C'est notre professeur de lettres classiques du collège qui a proposé ce projet et donc qui est ici présent et du coup qui nous a aidé pour la réalisation de cette vidéo, notamment pour tout ce qui a été mis en relation avec le directeur du musée gallo-romain, qu'on remercie parce que sans lui rien n'aurait été possible. Donc la plus grande partie des rushs vidéo que vous avez pu voir en fait ont été tournés sur une journée. On a fait une journée en suivant le tracé de l'aqueduc du coup, pour essayer de retrouver toutes les parties. On a dû réduire au maximum pour faire rentrer tout cela en 8 minutes, c'était assez court. Bien, merci, nous allons... Alors tout à l'heure, c'est moi qui suis un peu siphonné hein, en fin de festival, j'ai dit complément siphonné, c'est bien sûr complètement siphonné. Bonjour à tous, donc on est devant le Cap Science, où va se dérouler la cérémonie de remise des prix du 16e Festival International de Films d'Archéologie, Ichronos de Bordeaux. Je suis en présence donc, de Philippe Dort, le fondateur d'Ichronos, donc pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Avec plaisir, Ichronos est né de la volonté des archéologues amateurs de la région, de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, de vouloir faire connaître au grand public les travaux des professionnels de l'archéologie. Et à l'époque, en 1988, quand a eu lieu le premier festival, c'était de permettre par le film, qui est le vecteur certainement le mieux adapté, de faire connaître les travaux des scientifiques, mais de le faire connaître de manière didactique, pédagogique. Et donc c'est comme ça qu'est né Ichronos, et nous avons souhaité que ce festival, ce qui est toujours le cas, soit gratuit, car on estime que les professionnels de l'archéologie font leurs recherches avec l'argent public, et ce qui est normal, et qu'ils ont quelque part un devoir de faire partager ces découvertes avec le biais du média qui est le film, la vidéo aujourd'hui. Qui se modernise du coup, qui apparaît de plus en plus au niveau... Il est vrai que maintenant, quand on a commencé Ichronos, c'était des films, des vrais films, des films sur gélatine. On a même projeté des films en 35 mm, en Super 16 mm. Bon, maintenant, après on est passé par la vidéo, maintenant ce sont des fichiers numériques. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'en 1988, donc il y a 30 ans, il n'y avait quasiment aucun film d'archéologie qui était programmé dans les chaînes de télévision. Et c'est suite à la création d'Ichronos, puis d'autres festivals en Europe, comme celui de Rovereto en Italie, après d'Amiens dans le nord de la France. Ensuite, il y a eu le festival de Kiel en Allemagne, le festival d'Athènes, etc. Eh bien, tous ces festivals ont fait prendre conscience aux programmateurs de télévision et bien que le film d'archéologie, le documentaire d'archéologie, était un documentaire beaucoup bien plus grand public que qu'on aurait pu l'imaginer. Et c'est ainsi qu'on a pu voir de plus en plus de films programmés, maintenant sur Arte, sur la 5, sur la 3, et même il y a des chaînes câblées qui sont spécialisées maintenant quasiment sur l'histoire et sur les documentaires d'archéologie et du patrimoine. D'accord. Et du coup, donc, nouveauté de cette année, si j'ai bien compris, c'est le concours lycée, enfin catégorie lycée et collège. Un petit mot à dire dessus peut-être?
Avec plaisir, puisque en fait, il est important de sensibiliser les jeunes au patrimoine, à l'archéologie, car nous sommes là que des passeurs, et nous sommes là pour passer aussi la sensibilisation de ce patrimoine aux jeunes qui seront les adultes de demain et qui auront la charge d'être les gardiens de ce patrimoine-là, et puis qui feront passer à leur tour à leurs enfants, etc. Et donc, il est important d'investir les jeunes alors, par le biais des écoles, des collèges, des lycées. Et on a mis en œuvre un concours « Filme ton patrimoine » pour que les jeunes des collèges et des lycées fassent des petits films, des petits courts-métrages sur un patrimoine qu'ils avaient envie de mettre à l'honneur. Et nous avons présenté à Ikronos 4 films de très grande qualité qui est réalisé par ces jeunes, et c'est pour nous une première, un grand plaisir, et je crois que nous allons continuer dans cette voie-là, et peut-être même entre plusieurs festivals, entre deux festivals, on risque de développer des projets de réalisation de films par les jeunes, et pour les jeunes aussi. D'accord. Et merci bien, en tout cas. Et bien, puis merci. Du coup, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Voilà, on va remettre des prix maintenant. Et bien, super. Et bien, merci bien. Merci. Au revoir. Bon, je vais appeler Maître Berthoud, huissier de justice, qui va remettre les prix. Il y a eu plusieurs films, il y en a 4 qui ont été reconnus. Vous les avez visionnés à l'instant. Nous avons attribué le premier prix au film du lycée de Jean-La Duchère.